Salut, salut tout le monde, bienvenue pour ce 7e épisode des Cubes du Maudit. Un épisode encore avec les shaders, comme vous pouvez voir, je ne m'en passe plus. Surtout que c'est un très très beau rendu. Donc voilà, 7e épisode. On va faire le tour un peu de différentes choses parce que vous allez voir, il y a des nouveautés sur le serveur. Notamment une qui m'a pris un peu de temps parce que je ne suis pas un redstoneur. Donc voilà, on reprend la vue à la première personne et on y va. Comme vous voyez là-bas, il y a un nouveau passage. D'ailleurs, il y a un invité surprise. On va le tuer avant qu'il vienne nous prendre en cible. Donc voilà, une, deux. Et bah non, c'est pas, ça va pas être la peine. Le soleil va faire le reste. Ok, donc voilà, le soleil se lève. Ah, vous avez peut-être aperçu ce que je voulais pas vous montrer. Donc là-bas, j'ai fait un passage en souterrain pour regagner cet escalier qui mène à ce superbe phare. Donc un phare lambda, hein, pour le faire, c'est tout simple. Vous faites deux tours l'une au-dessus de l'autre. Je vous ai déjà expliqué un peu le principe des tours dans les premiers épisodes. Si jamais vous voulez voir un peu comment je l'ai fait moi, allez voir les premiers épisodes. Je ne vais pas vous remontrer ça. On va prendre un petit peu de distance parce que je voudrais vous montrer quand même quelque chose dont je suis un peu fier parce que je ne suis pas du tout redstoneur, mais j'ai quand même réussi à faire un système d'éclairage. Et c'était pas gagné, ça m'a pris un temps dingue. C'est pas tant que ce soit compliqué à faire, c'est surtout le fait de placer les éléments qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, donc comme vous voyez, ça s'éclaire en haut. Pas là, mais ça va pas tarder à arriver. Ouais, il n'y a rien sur les côtés. Non. Donc, on va aller voir de plus près, ce sera peut-être plus simple. Comme ça en même temps j'en profiterai pour vous montrer, vous expliquer un peu le système. En sachant que je ne suis pas un redstoneur, moi je me reconnais absolument pas dans ce style. Bon là j'en ai fait parce que j'en avais besoin pour le phare, mais c'est vrai que si je peux m'abstenir de me compliquer la vie avec la redstone, ça m'intéresse d'autant plus. Moi j'en utilise et mieux je me porte. Donc là voilà le petit passage en souterrain comme je vous ai dit que j'ai camouflé avec des vignes, enfin des lianes. Voilà, donc vous voyez un peu le rendu. Bon de près ça se voit, de loin c'est déjà un peu plus. Donc là sur la hauteur je trouvais que c'était vraiment le bon point pour dire de. Donc c'est à peu près les mêmes tours là que je vous montrais. Hein. Donc on va monter là-haut. Donc les tours hein, ont été faites, les premiers épisodes, vous pouvez aller voir comment je fais mes tours. Automatiquement, c'est exactement le même système, sauf que j'ai fait, au lieu de faire 4 étages, j'en ai fait 8. C'est un phare, hein, donc il faut que ce soit quand même assez haut, et que ça surplombe de loin. Voilà. Donc on monte. En sachant que sur la partie supérieure, il manque des murets sur les côtés, en fait, à chaque côté. Mais je le ferai peut-être un peu plus tard, voire. Voilà. Donc là, on arrive sur la partie haute. Donc, comme vous voyez, c'est bien occupé. Donc, un système. Il y a encore de la neige. Un système des plus simples. Comme vous voyez. Voilà. Ça passe de lampe en lampe. Voilà. Donc toujours un système avec un comparateur et trois répéteurs. Ici, pour envoyer l'impulsion. Je vais casser un petit peu pour dire de remettre en route. Voilà. Donc là, j'enlève la redstone, je casse le circuit. Vous allez voir que l'impulsion va s'arrêter. Et donc tout va se mettre à l'arrêt. Voilà. Là, il n'y a plus de redstone. Donc voilà, ça s'éteint. Donc comme vous voyez, il n'y en a plus une seule qui est allumée. Donc c'est un système lambda, hein. Il n'y a pas, c'est pas, c'est pas, il faut pas avoir fait bac plus 4 pour dire de faire un système comme ça, sinon j'y serais pas arrivé. Donc voilà, vous avez une lampe, à la sortie vous avez le comparateur. Le comparateur donc voit s'il y a de l'électricité ou pas. S'il y a de l'électricité, il envoie une impulsion électrique
qui continue le long du circuit, passe par les trois répéteurs et va dans la lampe suivante. Ici, il n'y a pas de comparateur, c'est la lampe qui alimente en fait les fils de redstone. Donc voilà, on va remettre peut-être la redstone. On va refermer le système. Donc voilà, on a refermé le système. Alors, souci de la chose, c'est que pour faire un phare, en fait, faut une impulsion. Parce que si, voilà, si j'éclaire par exemple tout le temps, je vais avoir un courant continu. Et comme le courant est continu, toutes les lampes s'allument. Donc on est loin de l'effet voulu. C'est-à-dire que là, on a un phare qui illumine de tous côtés. Or, c'est pas ce qu'on veut. Et si j'éteins, comme c'est un circuit fermé, ça reste allumé. Donc ça, c'est pas non plus ce qu'on veut. Donc là, en fait, tout est allumé et ça sera comme ça en continu si je le laisse comme ça. Donc en gros, c'est vraiment pas l'effet que je veux. Donc là, vous voyez, hein, vous avez le système tel que je vous montre d'une lampe à l'autre avec le comparateur, les trois tics. Et là, ici, pareil, il y a les trois répéteurs. J'en ai bavé hein, pour trouver comment les emplacer sans que ça vienne interférer les uns avec les autres. C'est ça qui est le plus dur en fait, c'est pas tant de faire le circuit fermé, c'est de vraiment mettre les éléments de telle façon à ce qu'ils n'interfèrent pas les uns avec les autres parce que ça prend de la place. Donc là on recasse. Donc vous allez voir tout va s'éteindre au fur et à mesure. Voilà. Je referme pas tant que tout n'est pas éteint parce que sinon bah, l'électricité va continuer son bonhomme de chemin et va me faire encore une impulsion. Donc voilà. Là c'est le contraire, tout est fermé. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Ce qu'on veut, nous, c'est une impulsion qui fasse le tour. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps, je mets une impulsion. Donc, j'allume, j'éteins. Voilà. Et donc, j'ai mis une impulsion. Dès que la première lampe s'est allumée, j'ai éteint. Et donc, vous voyez, ça fait une impulsion qui fait le tour. Bon, dès que la lumière arrive là, le comparateur le voit, il envoie une impulsion. Une impulsion derrière qui suit le circuit de redstone va par les trois répéteurs à 4 tics, donc ça en fait 12 tics, et après va alimenter cette lampe là, lampe qui elle, à son tour alimente le filament qui est là, qui passe par les trois répéteurs et qui alimente cette lampe là. Une fois que cette lampe là est alimentée, le comparateur revoit qu'il y a une impulsion électrique, donc il envoie une impulsion électrique derrière. Et les trois répéteurs font pareil, ça refait le même, et donc à chaque fois ça se répète éternellement, c'est toujours le même pattern de redstone en fait, si on veut. Donc voilà, donc une fois sur deux en fait il y a des comparateurs, c'est parce que j'avais pas assez de redstone. Donc voilà, là c'est une impulsion à une lampe, faut savoir que je peux le faire à deux lampes ou trois lampes, tout dépend en fait le temps que vous allez laisser allumer le levier en fait. Bon, moi je préfère une lampe parce que ça donne vraiment une idée de focus en fait, de lumière qui part dans tous les sens. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, évidemment, ce qui vous. Alors au début c'était très très simple parce que j'en avais que 4, donc ben, les éléments il n'y en avait pas tant que ça. Quand j'ai commencé à compliquer le truc avec 8 éléments, là il y avait de plus en plus de comparateurs et surtout de répéteurs. Parce que les comparateurs, il y en a toujours que 4. Mais deux répéteurs, automatiquement là c'est devenu hyper compliqué à gérer pour l'espace dans lequel il fallait mettre tous les éléments. Donc voilà. Tout simple, je suis pas un pro de la redstone, hein, donc automatiquement profitez-en parce que c'est peut-être les seules choses en redstone que vous verrez. Voilà, mais enfin c'est fonctionnel, c'est tout ce que je demande. Après, il y a peut-être une façon de pouvoir minimiser l'espace, enfin rendre ça plus compact. Personnellement, il y a des gens qui sont plus spécialisés pour vous expliquer comment compacter un système pareil. Moi, c'est pas le cas. Donc voilà. Ça fonctionne bien. Et donc, je vous dis, vous pouvez moduler l'impulsion pour qu'elle éclaire soit une lampe, deux ou trois à la suite, même quatre, voire sept, tout dépend. C'est à votre volonté après avec ce système, c'est vous qui voyez avec le levier, vous laissez autant
autant de lampes allumées et vous les éteignez. À la rigueur, on pourrait même faire une impulsion avec trois lampes, ce qui ferait trois lampes qui seraient éclairées constamment et qui feraient le tour. Donc voilà, c'était mon petit instant Redstone. Il y a de la lumière, ouais, il y a de la lumière là. Je pensais que j'avais oublié de mettre des torches, parce que d'habitude je mets des torches sur l'extérieur. Mais le problème c'est que si je mets des torches sur l'extérieur, ça éclaire les blocs. Et de l'extérieur, on voit tous les blocs éclairés, ainsi que le faisceau de lumière, enfin, faisceau de lumière, la lumière, les lampes du phare. Donc j'ai préféré mettre les. Comment on appelle ça? Les torches sur l'intérieur de. L'intérieur de l'escalier. Histoire que ça se remarque un peu moins que les lampes. Donc voilà, on reprend mon petit passage. Que j'aime bien. Hop. Je regarde quand même parce que là, on n'est pas protégé par les barrières. Et on va aller voir de l'autre côté. Le soleil se couche et le château s'illumine. Ouais, on va aller se mettre là-bas. Hop, allez, on avance. Donc voilà, ça m'a pris un petit moment quand même à faire. La construction par elle-même, ça va, c'était simple. La redstone aussi, c'est simplement le fait de placer les éléments pour qu'ils. Voilà. Donc regardez, voilà ce que ça donne. Bon, c'est un petit truc, mais j'aime bien. Ouais, on va passer par là. Hop, mes statues d'anges et de démons. Hop, et on va passer par la première tour. Ce sera toujours plus simple. Parce qu'on a encore autre chose à faire. Enfin, j'ai autre chose à vous montrer et après je vous montrerai comment je l'ai fait. Hop. Allez, on grimpe. Ouais, on voit tout en haut. Je suis désolé, hein, j'essaye de pas aller trop vite pour dire de pas vous donner un effet trop vif et qui finirait par vous dégoûter. Hop, donc on passe par ici. Voilà, le phare, oh, avec un superbe lever de lune. Donc vous voyez, même là, on voit quand même les torches. Hein. Mais c'était encore pire quand elles étaient contre les blocs. Voilà. En tout cas, notre phare est fonctionnel. J'aimerais bien savoir si on peut le voir de loin. Ça m'étonnerait, à mon avis, à un moment, il doit disparaître avec les chunks. Mais bon. Donc voilà. Autre chose que j'ai commencé, c'est le nouveau pattern de la muraille, de cette muraille-là. Faut savoir que l'autre fois, on avait fait la muraille du premier étage. Le rempart, enfin, ouais, c'est ça, la muraille du premier étage qui cerclait la montagne. Là, j'ai commencé à faire la muraille du deuxième étage. Donc, je reste à peu près sur la même idée, sauf que c'est un peu plus fin. Comme vous voyez, il n'y a pas deux escaliers l'un en dessous de l'autre. C'est vraiment un escalier à chaque fois. Bon, c'est aussi assez massif, mais bon, c'est des remparts qui sont censés tenir la terre d'une montagne, quoi. Ça fait des étages en fait. Comme des escaliers. Parce que j'ai vraiment rogné toute la montagne. Donc voilà. Là, je vous montre un peu l'effet que ça donne. Est-ce qu'on voit? Ouais, il y a quand même pas mal de d'entités. Avec les cascades, évidemment, qui retombent de ci, de là. Voilà. Donc, on va passer sur l'arrière. Parce qu'en fait j'ai fait tout le tour, mais le problème c'est qu'on ne peut pas contourner les étages de cette façon. Donc là, on va passer de l'autre côté. Hop, voilà. Et donc ici c'est pas fait. Et c'est ce qu'on peut faire. On voit l'habitation de ma belle-sœur là-bas au bout. Donc voilà, j'ai continué jusqu'ici, comme vous voyez. Et donc il reste tout cet espace-là à faire. Ouais. Donc voilà, on aura tout ça à faire et on va s'y mettre.
le plus vite possible. Donc j'ai mis des torches pour repérer à peu près tous les 5. La plupart de mes patterns souvent sont faits sur 5. Hop et hop. Donc vous voyez, c'est tout simple. On pose des escaliers avec la partie haute et on vient sur les côtés rajouter. Ensuite, il y a un espace de 2. Donc là, ici, on fait pareil. On vient poser les escaliers. Hop, et hop. Et ensuite, on se place sur le... Ouais, je vais peut-être faire celui-là tout de suite. Et après, en fait, on vient se placer sur le côté pour compléter et donner un effet. Parce que quand vous posez un escalier sur le côté, il n'est jamais complet, en fait. Vous voyez, ça donne un petit décalage. Donc, hop. Voilà, vous voyez le décalage se forme sur la partie inférieure. Voilà. Et donc c'est toujours un peu sympa comme forme que d'avoir un escalier complet. Donc là c'est fait. Voilà. Ici aussi. On va... Alors ici par contre je suis obligé de faire l'angle et le problème c'est qu'avec l'angle on peut pas faire de... Ouais voilà vous voyez ça marche pas. L'escalier vient se mettre comme ça sur l'autre. Je suis obligé à peut-être pour me mettre en diagonale. Non, 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 il le prend pas. Donc là on va être obligé de tricher. Je vais essayer encore une fois. Sait-on jamais. Peut-être qu'en changeant de côté. Ouais non. Si on change de côté, à mon avis, ça va être pareil. Ça va se mettre derrière, mais ça va pas créer l'angle. Alors, non, je l'ai mis carrément à l'envers. Donc là, on va le mettre derrière. Ouais, non, ça marche pas. Donc je vais être obligé de tricher. C'est souvent comme ça hein, sur les angles. Les angles, on est obligé de tricher. Donc hop, on remet tout comme c'était à la base. Perte de temps, mais bon, au moins on aura essayé. Ouais, on en aura eu. Non, j'ai beau ici. Non, ça sert à rien non plus. Et par là, non, de toute façon il se pose normalement. Ouais. Donc, je le prends un peu plus loin non plus. Et sur la partie basse. Non. Non, puis en plus ça l'envers. C'est pas simple à mettre hein, des escaliers. Mais tant pis, je crois qu'on va rester avec ça, on va se faire une idée. Hop. Hop. Ici aussi. Et enfin, là-haut. Voilà, c'est fait. Donc tant pis, on trichera sur ce côté-là. On n'a pas le choix. Ça je vais l'enlever. À la base tous les angles je les avais fait en pierre taillée, mais en gros c'est pas la peine vu que ma décoration de rempart est quand même assez costaud. On verra pas la pierre taillée, donc autant que je l'enlève et que je la récupère, d'autant que la pierre taillée j'en ai besoin pour faire les escaliers que j'utilise. Donc on va mettre de la roche, c'est tout aussi bien, ça nous fait une base neutre qu'on peut agrémenter après avec nos décorations. Donc là, voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, on met deux escaliers en pierre du Nether et ensuite on finit avec les barrières du Nether. Comme c'est le village en fait, c'est un village qui est quand même assez... En fait, ce que je voudrais faire, c'est la cité troglodyte de Néphalia. Je voudrais qu'elle soit un peu un site de commerce en fait. Tout à côté de la capitale, mais indépendante et économiquement réputée.
Donc par la suite, à mon avis, je ferai tout ce qui sera bateau, différents navires en fait. Voilà, là on est bon. Ok. Je sais pas où ils sont. Ils font un boucan du tonnerre. J'ai jamais réussi à les trouver. J'ai essayé de creuser à droite à gauche et je sais pas où, comment les localiser ces trucs-là, mais ils commencent franchement à me gaver. À mon avis, ça doit être à l'étage inférieur. Je vais essayer là-bas. À moins que ce soit là. Ouais, un petit peu plus par ici, peut-être. J'arrive pas à comprendre d'où ils viennent. Bon, c'est rien, j'essaierai de voir en off ce que ça peut donner. En tout cas, voilà. Donc là, on met les escaliers en Nether. Hop, et hop. Et on remet ce qui est. Voilà. Les barrières. C'est bon. Ici aussi. Voilà. Donc voilà comment ça rend. Ici, on va s'attaquer à l'angle. Qui dit angle dit triche aussi, parce que le problème, c'est que je sais pas si on va réussir à mettre les trois rangées d'escaliers comme je le veux. Donc ça, je le mets comme ça. Quoique. Ouais, je vais le prendre déjà comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ici donc on peut. Hop. Par contre ça je vais l'enlever, je vais essayer de le positionner autrement pour voir si je peux réussir à faire mon effet comme je le voulais. Quoique non, ça va se mettre derrière. Ouais, si je le mets comme ça c'est bon, ça fait un angle. Problème c'est que j'ai pas mon effet comme ici. Et si je le mets un peu plus en décalage à tous les coups. C'est celui-là qui va pas. C'est la pose d'escalier, elle est quand même assez problématique. Ils auraient dû faire un système un peu plus simple quand même. Donc là, ouais, là, j'arrive. Là, là, ça se pose comme ça, c'est normal. En enlevant ça. Si je le mets comme ça, non, il va se mettre dos à dos. Ouais, non, c'est pas du tout l'effet voulu. Donc, je pose normalement. De toute façon, de l'autre côté, c'était posé normalement. Et c'est ici que je vais essayer de bouger les choses pour donner mon effet de l'autre côté. Ok. Donc, de ce côté-ci, j'aurai bien ma forme. Par contre, ici, on va tricher. Comme de ce côté-là, c'est complet, ça sera complet aussi. Ça me fera une fenêtre avec les deux mêmes rebords. Il n'y aura pas d'asymétrie en fait. Mais c'est bête hein, parce qu'ils auraient dû, je sais pas, trouver un autre système pour dire de poser les escaliers. C'est un peu embêtant. Donc là, torche et torche. Et on refait 5. Hop. Zut. Je les pose à l'envers. Donc là, on reprend. Hop. On met ça. Je récupère mon escalier. Et hop. Donc voilà, là c'est plus simple. Et de l'autre côté, ce sera plus simple aussi. Voilà, c'est ça que ça devrait donner normalement. Donc là, on va en profiter, on va changer la pierre. Zut, ça a claqué. Ok, c'est bon. Donc je récupère ça. On va poser de la pierre. Donc, de la pierre là, là et là, voilà, comme support.
Et ensuite, on sort la roche. Hop, c'est bon, on a la roche. On y va. Tac, tac, ça c'est fait. Ici, pareil. Là, toujours, on est bon. On est bon. Ok. Là, c'est ok. Qu'est-ce que je fais? Je pousse là. Là, ça va me faire ici. Ok. Je vais essayer de prendre un repère et voir comment ça rend. Par la suite, en fait, je voudrais faire un pont ici qui descend. À mon avis, il continuera sur l'angle. Mais pour qu'on ait un accès, en fait, qui puisse aller au deuxième, au troisième étage, en fait. Non, deuxième étage, là, on est au premier étage, là. Vous voyez, c'est vraiment simple quand vous avez l'espace, mais quand vous êtes sur un angle, c'est même pas la peine d'y penser en fait. Il faut franchement que les trois escaliers soient alignés pour dire pouvoir obtenir cet effet. Ou alors c'est moi qui n'ai pas le savoir-faire. M'embête parce que cette ouverture là en fait elle fait vraiment petite comme ici c'est sur un angle à voir. Bon, on va essayer, on verra bien s'il faut en démontrant. Ok, ça c'est fait. Là c'est bon, c'est fait. Il y a ici. Positionne les escaliers. On met les barrières. Il n'y en a plus, si, il y en a encore. Hop, on met les barrières. Voilà. Nouvelle fenêtre. Donc, ouais, ça commence à avoir ce petit effet. Ici, pareil. Donc ici on a un, donc là ici ce sera le centre. On va se mettre un point de décalage en espérant que ça tourne pas. Non, c'est bon. Et là maintenant on récupère. Tac tac tac. Voilà. C'est bon. C'est fait. On passe de l'autre côté. Hop. Allez. Aussi. Donc là c'est bon, ici dans le coin c'est pas la peine d'en faire. Faire une entrée en fait qui donnerait sur la tour, c'est pas la peine. On va mettre une lampe pour éviter que ça spawn, mais ici le coin on va rien faire. Normalement il y aurait un espace de deux où il devrait avoir une fenêtre, mais comme elle va donner sur cette tour là, à quoi bon? On va avoir une vue sur une tour. Enfin, sur l'arrière du tour en plus. Donc on reprend le décalage, continue comme si de rien n'était.
on met sur le côté. Voilà. Je crois que j'ai loupé celui-là du dessus. Ouais. Allez. Je vais peut-être me mettre en décalé aussi. On casse temporairement, on mettra. C'est pas ce qu'il y a de plus grave. Je vais enlever ça aussi. Donc ici, on va poser. Jusqu'en bas. Hop. Ici aussi et là. Maintenant, on pose en décalage. Donc là, ici. Faut que je récupère du matériel. Voilà, là, ça, c'est bon. Maintenant, on va essayer de mettre là. Voilà. Donc c'est bon. Non, celui-là, il est pas bon. Encore que ça se verrait pas, mais bon, c'est pour nous. Pour être sûr qu'on a fait. Non, il veut pas. Hop, et maintenant. Et maintenant, ça donne. Ouais, c'est bon. En gros, ça change rien. Hein. Y a personne qui l'aurait vu si automatiquement je l'avais mal mis, mais c'est pour moi, en fait. Hop, voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, tant que je suis là, c'est pas de la terre qu'il devra avoir là. C'est de la roche. Donc on récupère la roche. On va combler ça tant qu'on y est. Voilà. Ça aussi c'est fait. On va peut-être remettre l'escalier. Enfin la dalle qui fait guise d'escalier. Voilà, c'est bon, on peut remonter. Hop. Donc ça c'est fait. On va récupérer l'autre derrière. Donc ici, on va en poser un. Enfin une rangée de d'escaliers pierre taillée. Voilà. Ça c'est fait aussi. On est bon. Alors ici, logiquement, il y en a deux. Ensuite, à nouveau, on pose. Donc voilà, c'est basique. Mais bon, ça fait de la grosse muraille bien importante. Qui est bien renforcée surtout. Ouais, c'est assez imposant. Entre deux fenêtres. Voilà, là de ce côté-là, fenêtre aussi. Donc là et là. Ici et ici aussi. Et maintenant, on met les barrières. Hop, c'est bon. Là ici. C'est bon aussi. Ça c'est fait. Alors ici, j'enlève ça. Si je regarde le motif, la porte, elle est en décalé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être modifier la porte. On va la mettre à un emplacement central. Voilà, on récupère la porte. Et on met la porte en centrale. Voilà, ça c'est fait aussi. On peut mettre une torche. J'aurais bien voulu qu'il y en ait deux. Si on avait eu deux, automatiquement, automatiquement, si on avait eu deux, on aurait eu deux fenêtres l'une en face de l'autre. Et on aurait pu reprendre normalement. Qu'est-ce que je fais? Je détruis tout, je laisse comme ça.
ça. Zut, il n'est pas mis dans le bon sens. Hop, donc ça c'est fait. Ici on met comme ça, ici là. Là, on met dans ce sens là. Ouais. Là, si je mets là, ici, c'est bon, ça le prend. C'est pas trop grave si les trois ont pas cette de la forme. Donc là ici, l'espace de la fenêtre, on reprend ici à côté. Voilà. Pareil. Donc le pattern est très simple à faire. C'est bon. Donc là ici, ouais. Donc là, il y a la fenêtre qui vient ici. Ok. On récupère tout ce qui est récupéré. Pose des escaliers en user. Brique. Barrière. Voilà, ça c'est fait. Ok. Bon, ici, ici, ça sera dans ce sens-là. Voilà. Ah, ça donne sur mur en brique. Je mets bord les escaliers. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on met les barrières. Voilà. J'enlève ça, on va éclairer. Donc là il y a la rangée de briques, enfin d'escaliers en briques à mettre. Alors hop, ça c'est fait sur le côté. Voilà, ça s'est posé. Et là, de l'autre côté. Voilà. C'est bon, ça se pose et ça garde la forme. Zut, j'ai pas dans mon sens. Ça garde la forme que je veux. Ouais. Ici, on va peut-être enlever ça. Elle sert à rien, ça t'arrête. De toute façon. On va mettre de la roche. Donc, je prépare la fenêtre et on va rajouter la roche là où il faut. Ouais, voilà, ce sera mieux si je la sélectionne. C'est bon. Non. Voilà, là c'est bon. On est en bas aussi. Ok. Ici, ça va bien ici. Donc ça c'est fait. On enlève, on place sur les côtés. Donc là c'est bon. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop. Voilà. Donc là on est bon. Ici. Ok, on a récupéré. Donc c'est toujours à peu près la même, c'est le même pattern, hein, donc ça se répète indéfiniment. Il s'est mal placé celui-là. Hop, là on est bon. Et voilà, on pose nos barrières.
Et on va poser nos torches. Donc là on continue, alors on sait qu'il va y avoir un décalage de 1. Donc ici ce sera le côté. Donc nous ce qu'il nous faut. Ouais, parce qu'il y a un décalage de 1 logiquement. À moins que je revienne dessus. On va tenter de revenir dessus pour voir. Si je mets ici. Hop, voilà, comme ça. Est-ce que derrière... Hop, ici, et hop. Non, là, je suis obligé d'enlever. Ouais, ça fait très encaissé quand même, hein. Ouais, ça fait vraiment encaisser. Si je laisse comme ça, automatiquement, ouais. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Je verrai un peu plus tard. On récupère. C'est bon. Ok, là c'est bon. Trop. Je mets là et là. Et hop, on descend ça. Donc là, voilà, c'est fait. Je place par ici. Ok. Et je place dans l'autre sens. Non, c'est pas bon. Non, c'est placé dans l'autre sens. Je m'y prends mal. Voilà. De là. Oh, quoique, on va peut-être s'arrêter là. Ouais, on va peut-être s'arrêter là. Ok, on va s'arrêter là parce que le temps court et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, je vous dis sur cette vue. Ah, il y a eu une explosion de creeper, c'est vrai, il va falloir que je répare. Donc vous voyez un peu ce que ça donne au niveau du rendu général. J'espère que ce pattern vous intéressera et vous pouvez toujours vous entraîner à le refaire dans un premier temps avant de créer les vôtres. J'espère que cette série Les Cubes Maudits vous intéresse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en sachant que je vais continuer en off la création de la muraille. C'est le temps qui fait cet effet de fou. Ok, bon. Je vous dis au revoir, bon jeu, et j'espère que cette série des cubes maudits vous intéresse. Regardez, derrière moi, vous voyez un peu notre boulot. Allez, je vous laisse. Salut. Bye bye.